Ok, salut mes petites biquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Le concept de cette vidéo, ça va être une FAQ. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est une FAQ, il n'y a rien de plus simple. C'est une vidéo où je réponds à vos questions. Devant moi, j'ai une feuille avec vos questions que vous m'avez posées avant-hier en live, en tout cas avant-hier au moment où je tourne cette vidéo. Après, je sais pas quand je vais la poster, je vous l'avoue. Donc, je sais pas pour vous. Pendant que je fais cette vidéo, on va faire une petite map Death Run. La map, par contre, je sais pas si on va la terminer entre temps, mais bon, si on la termine pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas très important, c'est pas ça le principal quoi de la vidéo. Donc, désolé si je fais que de la merde. Ok, donc on va passer à la première question. Pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc celle que j'ai en ce moment? Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Parce que je trouve ça fun en fait d'avoir une chaîne YouTube. Je trouve ça fun de partager des moments avec une commu inconnue, même une commu que tu connais. Je trouve ça super marrant, super cool, super fun. T'apprends des nouvelles choses, t'apprends plein de choses, t'apprends vraiment plein de nouvelles choses et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà pourquoi. Ok, maintenant on m'a posé une question aussi très importante. En fait, on en revient beaucoup sur les lives. Est-ce que je suis une fille ou un garçon? Alors c'est très simple. Je suis un garçon. Désolé si j'en déçois certains. Je suis un garçon et je m'appelle Naïl. J'ai 13 ans et je suis né le 15 octobre 2006. Exactement. Donc voilà, comme ça au moins c'est clair entre nous. Et puis comme ça vous êtes au courant, vous faites pas les choquer. Et désolé si j'en déçois certains pour le fait que je sois pas une fille. Pour les petits charros et tout, on vous connaît quoi. Ensuite, aussi une question qui revient aussi assez souvent sur les lives. Pourquoi je live tard le soir? Je live tard le soir parce que c'est plus facile pour moi, parce que l'après-midi j'ai des petits frères et sœurs et si vous voulez en fait ils arrêtent pas de crier un peu dans la maison et ce serait un peu con que vous entendiez mes petits frères et sœurs crier pendant que je live et c'est surtout très dérangeant et très chiant et c'est aussi pour leur intimité à eux. Ok, on va passer à l'autre question. Maintenant, on va parler sur mes goûts. C'est quoi mon animal préféré? Mon animal préféré, c'est le pingouin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je vais même pas pouvoir vous répondre sur cette question. Pourquoi? Je sais pas, je kiffe ça, je trouve ça trop mignon et tout, et voilà. Quelle est ma série et mon film préféré? Ma série, elle est sur Netflix en ce moment. Je vous conseille d'aller la voir si vous aimez bien tout ce qui est humour et tout. C'est H. H qui est une série, bon, pas toute nouvelle, mais en tout cas toute nouvelle sur Netflix. Carrément, elle était sortie même quand j'étais pas encore dans ce monde. Mais voilà, vraiment trop bien. Si vous aimez tout ce qui est humour et tout, vraiment, vous allez kiffer cette série, donc je vous la conseille. Ensuite, pour ce qui est mon film préféré, c'est La Tour Infernale 2. La Tour de Montparnasse Infernale 2, pardon. Pareil, un film super cool, super marrant. Si vous aimez tout ce qui est la rigolade et tout, franchement, un film entre amis, ça c'est trop bien. Et entre père et fils aussi. Ok, ensuite on va passer à une autre question aussi. Quelle est ma marque préférée? Moi j'aime beaucoup Nike, les mecs. Après, je sais pas si je vais en décevoir certains. Après, moi j'aime beaucoup Nike. Vraiment, Nike c'est ma vie quoi. Ok, maintenant qu'on a fait les goûts, on va repasser aussi pour les projets de la chaîne, tout ça. Bah justement, on a une question. Quels sont mes projets pour la chaîne? Alors pour le moment, j'ai pas trop de projets pour la chaîne. Pas de projet en tout cas qui me viennent en tête maintenant. Peut-être plus tard, éventuellement, mais pour le moment, non. Est-ce que je compte faire des concours sur ma chaîne? Bien sûr, pourquoi pas, volontiers faire des concours. Franchement, c'est avec grand plaisir que je dis oui, quoi. Bien sûr, et les concours, si je dois en faire, ils vont être sûrement dits à chaque fin de vidéo. Sur un réseau social n'importe lequel ou même comme ça dans les commentaires. Ok. Ensuite, quel est mon rêve pour ma chaîne en fait? Bah, mon rêve pour ma chaîne c'est qu'on atteigne les 1K. Si on atteint les 1K, pour moi genre je suis trop content, genre je pense que j'ai atteint mon but.
Parce que à partir du moment où t'as les 1K, tu peux te permettre, enfin tu as la possibilité en tout cas de pouvoir faire beaucoup de choses et sur YouTube, donc par exemple des sondages, des trucs comme ça. Peut-être plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi je vois comme ça. T'as plus de choses qui sont ouvertes pour toi. T'es arrivé sur un autre stade. Donc franchement, les 1K et c'est tout ce que je vous demanderai. En tout cas pour mon rêve. Pour ma chaîne YouTube. Ensuite, pareil. Pareil. C'est toujours la même chose. On a la même question. Sans me concentrer trop au truc. Est-ce que je veux être joueur pro? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui joue, qui joue aux jeux vidéo pour être fort. Je suis plutôt quelqu'un qui joue aux jeux vidéo pour s'amuser, pour jouer avec des potes et tout. J'aime jamais jouer de façon tout seul à la play. Donc moi, de toute façon, je veux pas devenir joueur pro. Je suis plus du côté animateur, plutôt cool, plutôt fun. Et voilà. Pourquoi j'ai commencé les lives? Alors pourquoi j'ai commencé les lives et pourquoi j'ai voulu faire que des lives? Parce que les lives en fait c'est plus facile pour moi. Parce que ça m'évite de faire des montages que je sais pas faire en fait. Et ça m'évite aussi de. Enfin et aussi pardon. Je préfère. Ce que j'aime bien dans les lives, c'est pouvoir se parler en. Comment vous appelez ça? En direct. Je trouve ça trop fun de pouvoir vous parler. Vous pouvez me répondre directement. Je trouve ça vraiment. C'est ça qui est bien en fait en faisant des lives, c'est que c'est direct en fait. C'est en direct. De toute façon, c'est marqué. De toute façon, c'est en direct. C'est vraiment génial. Genre, vous avez tout en direct. Vous avez ma réaction en direct. J'ai votre réaction en direct. C'est vraiment génial quoi. Et puis, ça évite de. C'est que de l'improviste en fait. C'est ça qui est cool. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tous ceux qui comprennent, bah voilà, tant mieux. On va passer à l'autre question du coup. Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? J'ai créé ma chaîne YouTube déjà. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de créer ma chaîne YouTube? C'est des amis à moi. Je les ai vus faire et j'ai voulu faire pareil qu'eux. Donc j'ai pris exemple et maintenant voilà pourquoi j'ai une chaîne YouTube. Et pareil en fait. Pourquoi j'ai une chaîne YouTube? Bah j'ai pris l'exemple en fait sur des amis à moi. Et je vais en citer certains, dont Drexer, dont Zerstreetboy Boy et tout le baratin, plein d'autres encore personnes. Mais en tout cas, la base, c'est ces deux personnes-là que je vous ai citées. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, les mecs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je comptais juste à vous remercier énormément pour ce que vous faites pour moi. On a évolué de ouf en fait sur la chaîne YouTube. Je le répète à chaque live en fait, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, avant je me tapais du zéro visionnage et maintenant genre je me tape du 13 visionnage, c'est vraiment incroyable. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites en fait, pour l'évolution. On est déjà aux 540 abonnés, vous êtes incroyables. Continuez comme ça, moi vous me faites kiffer, c'est ça qui me donne envie de continuer, donc plus vous continuez comme ça, plus j'ai envie de continuer, donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des choses à me reprocher ou à me donner des conseils, dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir pour m'améliorer. Et voilà, voilou. Je vous fais tous de gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et puis bonne soirée à tous.